Uwiteka Mana ikomeye turagushima. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Turagushimira kubaho kwawe hagati muri twebwe igihe cyose. Nous te rendons grâce par ta présence qui demeure parmi nous. Mukawera turagushima. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Kutadusiga nari. Parce que tu ne nous abandonnes jamais. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe. Ce moment nous allons écouter ta parole. Uvugane n'imitima yacu. Parle à nos cœurs. Utuganirize. Parle à nous. Mu izina ryawe Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Reka twakire umukozi w'Imana. Nous recevons le serviteur de Dieu. Pasteur Sanogo. Le pasteur Sanogo. Muri uyu mugoroba tugabura ijambo ry'Imana. Ce soir nous allons, il va nous nourrir de la parole de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Bienvenue homme de Dieu. Muhawikaze mukozi w'Imana. Gloire à Dieu. Yesu ashimwe. Gloire à Dieu. Yesu ashimwe. Amen. 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 J'ai la joie d'être avec vous ce soir. Non, dire. D'être ici avec vous ce soir. Ndanezerwe kongera kubana namwe uyu mugoroba. Et de pouvoir bénir notre Seigneur et notre Dieu ensemble. Nkabasha gufatanya namwe gushimira Imana yacu. Amen. 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 Le Seigneur est bon. Umwami wacu ni mwiza. Le Seigneur est grand. Umwami wacu arahambaye. Alléluia. 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 Et nous voulons dire que Dieu est bon. Turifuza kubwira Imana ko ari nziza. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Notre Dieu est bon ensemble. Élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il a délivré nos âmes. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. C'est vrai. Élevons nos voix. L'Éternel, mon Dieu est bon. Pour moi, mon roi est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il a changé ma vie, il m'a délivré du péché. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. C'est vrai, élevons nos voix. L'Éternel est bon, l'Éternel. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? L'Éternel, mon Dieu est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Tu as changé ma vie, tu m'as délivré du péché. L'Éternel, mon Dieu est bon, l'Éternel est bon. Encore, élevons nos voix. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Ta vie, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Encore, élevons nos voix, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Je veux pousser des cris de joie.
acclamer ton Saint-Nom. L'Éternel, mon Dieu est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. C'est vrai, élevons son Saint-Nom. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Alléluia. Personne n'est comme toi, Jésus. Yes, Lord. Personne n'est bon comme toi, Seigneur. Oh, tu es mon Dieu, mon Dieu est bon. Oh, tu es bon, mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Alléluia. Élevons le nom du Seigneur. Parlons de la bonté de Dieu. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est semblable à toi. Nous clamons le roi des rois. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Wow. Amen. Amen. On peut acclamer le nom du Seigneur et se rasseoir. Amen. 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 Gloire à Jésus. Je veux bénir le nom du Seigneur pour son serviteur. L'apôtre Paul Gitwaza et tous ses collaborateurs. Amen. Amen. Vous savez, ça c'est un acte de respect et de politesse chaque fois qu'on va dans une église d'honorer l'homme de Dieu. Amen. Mais on le fait sérieusement. Mais l'apôtre de la maison, c'est, je le fais sérieusement, mais il y a une dimension supérieure dans la reconnaissance que j'ai vis-à-vis de ce berger, de ce père que Dieu vous a donné. Amen. Vous êtes Amen. Réellement béni. Vous êtes réellement béni. Murahiriwe. Un homme de Dieu. Umukozi w'Imana. Humble, simple, aimant Jésus. Wicisha bugufi wiyoroshya kandi ukunda Yesu. Je sens qu'il aime les hommes. Pour moi, ce sont mes deux valeurs principales. Un adorateur de Christ. Quelqu'un qui, quels que soient les défis, la pression, la gloire, qui veut rester intègre et attaché à Jésus. De nos jours, ces hommes deviennent rares. Muri imisi yacu aba bantu nimbone kari mwe. Acclamer le Seigneur Jésus. Reka dukomere Yesu amashime shi cyane kugwa umukozi we. Je le dis avec sincérité. Ndabivugisha umutima wanje wose. Tout mon séjour ici, j'ai été édifié. Igihe cyose maze hano narawe umugisha. Par les gestes, les paroles. Kubwa ibikorwa n'amagambo. Le mardi, même simplement la façon dont il a repris le message, ça m'a tellement touché. Kwa kabiri uburyo bwonyine yafashe umwanya wo gusubiramo inyigisho rene nigishije byangozeho. Simplement, moi c'était grand. J'ai vu la simplicité, l'humilité, le cœur de Dieu. Kubwanye umushwa ko muwa mubona bibyoroheje ariko kubwanye birakomeye nabonye umuntu wiyoroshya kandi akaguma ari umukozi w'Imana. Qui se soucie réellement de votre devenir spirituel. Biraboneka yuko ahangayikishwa cyane n'uburyo mukura mu mwuka. Et vraiment je suis content d'être là. Kandi nishimiye kuba ndi hano. Alléluia. Alléluia. Alors je lui dis, bon c'est vrai que j'ai un emploi, je suis chargé comme lui. J'ai un calendrier compliqué. Mais j'ai dit s'il a besoin de moi, je vais venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.
Voilà. Amen. Amen. Vous savez, quand vous voulez prêcher la vérité de Dieu, la crainte de Dieu, la marche avec le Seigneur, vous faites attention là où vous partez. Ah. Iyo wiyemeje kubwiriza ubutumwa bwiza bw'umwami ukuri ku bwami bw'Imana n'urukundo rw'ubwami bw'Imana n'amahame y'ubwami bw'Imana witondera cyane kubyo rubivuge aho Imana ikohereza. Vous sentez souvent des gens qui veulent plutôt exploiter le peuple. Akenshi, et non le construire. Akenshi muzabona aho abantu bashaka kwifatina no kwigundira ubwo bwo kw'Imana yaboherejemo aho kugira ngo babwubake babuheshe umugisha. Et souvent tu sais pas avec quel esprit les gens t'invitent. Akenshi nunabuzi n'umutima wateye abo bantu kugutumira. Mais arrivé ici, je vois vraiment quelqu'un qui a le cœur de Dieu. On peut acclamer encore. Ariko ngeze hano nahabonye umuntu w'umutima w'Imana wifuza. Niyo mpamvu dukomeye Imana mashi. Amen. Amen. Homme de Dieu, je suis disponible pour toi. Mukozi w'Imana igihe cyose uzanyenera nzitaba. Alléluia. 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 Voilà, j'ai inclus Zion Temple dans ma liste d'églises amies, sœurs. Ku rutonde rw'amatorero ndeba nk'abavandimwe banjye kandi b'inshuti magara ba hafi Zion Temple nayongeyeho. Amen. Amen. Donc si vous venez à Abidjan, sachez que vous avez une église là-bas, ça s'appelle Vase d'honneur. Nimuramuka muje I Abidjan muzamenye ko muhasanze bene so bumwitorero ryitwa Vase d'honneur no kuvuga inzabya z'icyubahiro. Quand les frères de Vase d'honneur vont venir à Kigali, je dis voilà votre église Zion Temple. Bene data bo muri ryo torero iwacu nabo nibashaka kuza I Kigali nzabaga ni muzajye muri ritorero niho bene so bari muri Zion Temple I Kigali. Amen. 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 Je voudrais continuer le message que j'ai introduit la dernière fois. Mais j'aimerais une fois de plus prier. Ensemble, demandons la grâce de Dieu. Amen. Je vous prions. Prions. Saint-Esprit. Merci parce que tu es présent, tu es là. Prends le contrôle de toutes choses. Oriente toutes choses. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de ta fille aussi. Saisis-toi de l'assemblée. Et enseigne-nous. Saint-Esprit, nous sommes tous à tes pieds. À commencer par moi-même. Nous sommes à tes pieds pour t'écouter. Enseigne-nous tes voies. Je ne détiens pas ta parole. Je suis aussi un auditeur. À tes pieds, Saint-Esprit. Même si tu te sers de la bouche que tu m'as donnée. Parle-nous. Enseigne-nous. Guéris-nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Yes, Hashim. Gloire à Dieu. Yes, Hashim. Amen. Amen. Certains ont posé la question de savoir si les enseignements dont je parlais sont ici. Oui, même si les titres ne donnent pas l'impression d'être ce que je dis, mais ce sont les mêmes messages. Ce dont je suis en train de parler maintenant, il est inscrit dans celui-là. Recevoir et garder le Saint-Esprit pour une vie d'influence. Les sous-thèmes: laissez-vous consoler par le Saint-Esprit. Je vais parler de ça aujourd'hui. Laissez-vous conduire vers la vérité présente. Ça, c'est quelque chose de très important. Je l'aborde aussi ici. Je vais parler aussi aujourd'hui de repositionner vos bornes. Le Saint-Esprit et vos expériences marquantes. Ça, je ne pourrais pas toucher. Mais ça y est là-dedans. C'est-à-dire dans la vie, quand vous avez un choc, une frustration. Comment c'est très important pour votre destinée. Il y a des expériences marquantes positives, il y en a qui sont négatives. Et vous l'avez ici. Et puis, le revêtement et les dons du Saint-Esprit.
c'est le même message, donc, sauf que la dernière fois, j'ai introduit avec le revêtement. Pour ce qui est des épreuves du désert. Amen. Amen. J'ai dit il y a 10 épreuves. Ici, je n'en ai amené que 6. La première, voilà, c'est celle-là. La première épreuve du désert. Je veux juste dire que chaque enseignement, c'est plusieurs dimanches. Ici, comme ça, vous avez à peu près un mois et demi de messages. Donc, vous les prenez étape par étape. Amen. Amen. Même si c'est un CD, mais c'est beaucoup de messages. Là, vous avez la première épreuve du désert. Et puis, sa première oasis. Oasis, chaque difficulté que vous connaissez cache un trésor. Amen. Amen. Maintenant, il faut savoir classer vos problèmes. Il y a 10 types de difficultés. Je ne parle pas des difficultés lorsqu'on a péché. Là, quand c'est comme ça, il faut se repentir et puis le problème s'arrête là. Mais un chrétien qui marche dans la sainteté avec Jésus va rencontrer des épreuves. Ces épreuves peuvent être classées en 10 groupes. Mais une épreuve que j'appelle la première épreuve qu'Israël a rencontrée. Pendant 3 jours, ils n'ont pas eu d'eau à boire. C'est comme si Dieu avait permis qu'ils soient privés de quelque chose qui est indispensable à leur survie. Aujourd'hui, ça ne sera pas de l'eau physique. Mais tu peux être privé d'une chose indispensable à ton épanouissement personnel. Un couple qui n'a pas d'enfant. C'est une épreuve. Ils sont privés. Un enfant, ce n'est pas un luxe. C'est Dieu qui a dit, je vais vous rendre fécond. Maintenant, Abraham et plusieurs hommes de Dieu dans la Bible ont connu une épreuve sans, où vous n'avez pas d'enfant. Ça peut être privé du mariage. En fait, ce que j'appelle, je vous explique ce qu'on appelle des besoins essentiels pour l'homme. Comme la santé. Être en bonne santé. Quand Dieu permet que tu passes ce genre d'épreuve, quel est le trésor qu'il y a là-dedans? C'est un enseignement qui est très profond. Amen. 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 Quand vous passez cette épreuve, par exemple, vous allez être souvent confronté à ce qu'on appelle les eaux de Mara. Israël pensait avoir trouvé la solution, mais l'eau qu'ils ont bu était amère. Vous connaissez beaucoup de désillusions. Tu crois que tu as trouvé le bon mari? Et puis tu te rends compte qu'il est très bizarre. Ça s'appelle Mara. C'est une eau amère. Amen. Amen. La deuxième épreuve du désert, c'est celle dont j'ai parlé au programme, le grain de sénévé. Quand les moyens dont vous disposez sont faibles par rapport à ce que vous voulez faire, c'est une épreuve. On l'appelle aussi l'épreuve du pas assez. Amen. Amen. La troisième épreuve Ichagatatu qu'Israël a rencontré dans le désert, c'est l'épreuve des frustrations de la foi. Ichagatatu n'ukugeragezwa kukwizera. Pour revenir à la deuxième épreuve, kugira ngo tusubire ku kigeragezo cya kabiri, c'est après cette épreuve que Israël a reçu la manne. Ni nyuma y'ikigeragezo Israël yakiriye manne. La première épreuve, ikigeragezo cya mbere, c'est après cela que
ils ont rencontré les 12 sources d'eau et les 70 palmiers. Ni nyuma yaho babonye amasoko 12 y'amazi n'ibiti 10 by'ingazi. Jimikindo. À chaque épreuve. Buri kigeragezo. Israël se comportait mal. Israël yitwaraga nabi. Mais Dieu révéla à Moïse l'attitude à faire pour changer cette épreuve en gloire. Ariko niko Imana yahishuraga Mose uburyo yakoresha kigeragezo kugaragaza ubwiza bwayo. Ikigeragezo cy'agatatu. C'est ce que j'appelle l'épreuve de frustration de la foi. Nicyo nitikeragezo cyo kugeragezwa kukwizera. C'est le moment où tu te poses la question, est-ce que Dieu est vraiment là ou il n'est pas là? Ha, andi ubaza uti si Imana irahari koko cyangwa ntayihari. C'est l'épreuve où tu es souvent convaincu. Tu es sûr que Dieu va faire quelque chose, mais quand la chose arrive, c'est comme si Dieu ne fait pas cela. C'est l'épreuve où Dieu même te déçoit un peu. Tous les chrétiens passent par là. Par respect pour Dieu, on ne dit pas qu'on est déçu. Mais il y a une épreuve où ta foi même en Dieu est frustrée. C'est à cette troisième épreuve que Dieu a révélé le rocher où l'eau est sortie. Qu'est-ce que ça représente dans la vie d'un croyant? Amen. Amen. La quatrième épreuve. Bon, je crois qu'on n'a pas amené la quatrième épreuve ici. La quatrième épreuve, c'est l'épreuve des longues attentes. Quand la promesse tarde à s'accomplir. La cinquième épreuve, c'est celle-là. Lorsque on t'arrache quelque chose qui t'est cher. C'est l'épreuve quand tu perds un proche, l'épreuve des décès, quand tu perds ton travail. C'est-à-dire que tu as quelque chose et puis Dieu veut arracher ça. Ou bien la vie l'arrache. Et la sixième épreuve, c'est ce que j'appelle l'épreuve du surplace, quand ta vie n'avance plus. Dans cette épreuve-là, je reparle du même message. Amen. Du revêtement. Mais c'est différent de ce que j'ai dit avec le Saint-Esprit ici. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Que toute cette victoire soit en toi dans le nom de Jésus. Que toute cette victoire soit en toi dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Ce dont je suis en train de parler est rattaché à la sixième épreuve ou à l'enseignement avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Yes, est-ce qu'on est ensemble? Turikumwe. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, 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 amen. Je vous avais dit la dernière fois que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas avoir une vie qui influence pour le royaume de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu peux avoir de bonnes intentions. Tu peux avoir de bons projets. Mais Dieu te dit qu'il te faut Il faut que tu sois revêtu du Saint-Esprit. Dis avec moi le revêtement. Un des problèmes de l'église, c'est que beaucoup de chrétiens essayent de faire l'œuvre de Dieu sans l'habit, sans le revêtement. Lorsque tu n'as pas le revêtement, tu n'as pas de puissance. Même, je vous dis, même pour éduquer vos enfants, il faut le revêtement. Le revêtement du chrétien démontre la puissance de Dieu sur lui. J'ai illustré avec l'exemple du policier. Quand le policier est revêtu, il dit un mot. Il pointe le doigt sur le véhicule et le véhicule s'arrête. Qu'est-ce que le chauffeur a vu? Il ne regarde pas la forme de la personne. Il ne regarde pas si celui qui l'interpelle est grand, mince
petit, peu importe. Ce qu'il voit, c'est l'habit. Et le revêtement représente quoi? Ça représente l'état du Rwanda. Si le policier te dit de t'arrêter, que tu désobéis, ce n'est pas un homme que tu as affaire. Tu as affaire à l'état, au pays entier. Un seul habit représente le pays. Tous les chrétiens ont leur revêtement. Quand nous disons un démon, va-t'en. Ce n'est pas Mohamed Sanogo qu'il doit voir. C'est pourquoi la Bible dit, vous chasserez les démons en mon nom. Quand un policier arrête une voiture, c'est au nom de la République du Rwanda qu'il l'arrête. Au nom de, ça veut dire tu es mandaté, tu es envoyé, tu fais ça de la part de la personne. Quand tu regardes un démon, quand les esprits viennent, la maladie rentre dans ta maison, et que tu dis à la maladie, va-t'en, au nom de Jésus, la maladie regarde ce qui est sur toi. Si elle ne voit pas la Bible, elle te dit, tu parles de quel droit? Quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu parles de quel droit? Quelquefois, si tu n'as pas le revêtement, tu vas prendre beaucoup de temps avant que les démons se rendent compte que tu es chrétien. Un chrétien qui n'a pas le revêtement souffre beaucoup pour avoir toutes sortes de choses. Mais la Bible dit que nous avons le pouvoir d'écraser tous les démons. Mais si pour chasser un petit démon, tu dois prendre 2 heures le temps de lui démontrer par les récitations des versets que tu es chrétien. Un petit mal de tête. Le revêtement, je vous ai dit, ça ne remet pas en cause, le manque de revêtement ne remet pas en cause ton identité. Un policier sans sa tenue est policier. Seulement sans la tenue, on ne sait pas qu'il est policier. Donc, s'il vient s'arrêter sur la route sans la tenue, il va se faire respecter difficilement. Quelqu'un est-il avec moi? Un chrétien sans le revêtement est chrétien. S'il meurt, il va au paradis, ça n'a rien à voir. Parce qu'il a cru en Jésus. Alléluia. Alléluia. Un chrétien rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un donne un bon amen. Quand tu demandes au Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. L'Esprit te remplit. Si tu, ta plénitude s'arrête à ce niveau, à l'église, on va voir que la plénitude ici te donne une bonne communion avec Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour exercer le ministère. C'est pour ta communion avec Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pour ta guérison intérieure. Ce n'est pas pour les autres. Maintenant, le revêtement, c'est le moment où le Saint-Esprit émane de toi pour influencer les autres. C'est pourquoi avant d'être revêtu, Dieu nous remplit d'abord. Mais il peut arriver qu'un chrétien reçoive le revêtement ou même qu'un païen soit revêtu sans avoir été rempli. Là, ça pose un problème. Mais ça arrive. C'est comme quelqu'un qui habite avec un policier. Et pendant que son oncle policier dort, il prend l'habit. Il sort dans la rue. Il arrête les voitures. On va croire qu'il est policier. Maintenant, un jour, il va faire un geste. On va le regarder. Fais sortir ta carte.
Et on va se rendre compte qu'il n'est pas policier. Et on va le punir gravement. Les chrétiens peuvent, certaines personnes peuvent capter le revêtement d'autrui. Dans la vie pratique, si tu marches avec un homme de Dieu qui est revêtu, que tu es toujours avec lui, quand tu quittes sa présence, son même revêtement vient sur toi. Mais il ne vient pas de toi. Donc il y a des gens qui peuvent être à côté de l'apôtre. Dieu va les utiliser de la même manière. Mais ce n'est pas forcément leur revêtement à eux. C'est le revêtement. Quelqu'un est-il avec moi? Un jour, Saül est parti marcher avec des prophètes. Il a commencé à prophétiser. Parce que quand vous êtes dans un environnement, je suis en train de vous dire que si vous fréquentez, si vous êtes souvent avec des militaires, vous allez commencer à parler, à agir comme un militaire. La proximité fait que le revêtement d'une personne vous touche, vous contamine aussi. Amen. Ce n'est pas mauvais. Si bibi. Mais il faut toujours chercher à être rempli vous-même du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque tu es rempli, amen. Amen. C'est très bien. C'est la présence de Dieu en toi. Il faut persévérer dans la plénitude. Mais il faut continuer à être rempli. Et permettre au Saint-Esprit maintenant de déborder. Et en ce moment, l'eau va recouvrir la paroi extérieure. C'est ce qu'on appelle le revêtement. Amen. Amen. La plénitude comme le revêtement se recherche à tous les niveaux d'évolution avec Dieu. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Quand tu grandis dans ta foi, ton volume spirituel change. Et voici la quantité du Saint-Esprit qui est en toi. Si je transgase, te voilà dans ta nouvelle dimension avec Christ. Le Saint-Esprit qui était dans ton ancienne dimension ne remplit plus ta nouvelle dimension. Tu dois continuer à chercher à être plein du Saint-Esprit. C'est pourquoi un homme de Dieu ne doit pas croire, un chrétien qui cherche Dieu ne doit pas croire qu'il a fini d'être rempli du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est différent. On est baptisé une fois. C'est la première fois de la plénitude. Les autres fois, on n'appelle pas ça baptême. On appelle ça simplement je suis rempli. Soyez rempli du Saint-Esprit. Soyez rempli du Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de te remplir. Invoque l'Esprit qui te remplisse. Alléluia. 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 Un jour, un malade a touché le corps de Jésus. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Jésus a dit, une force est sortie de moi. Parce que chaque fois que vous priez, que vous prêchez, que vous aidez des gens, l'énergie du Saint-Esprit qui est en vous quitte votre vie et va toucher les autres. Jésus a dit, une force est sortie de moi. Parce que quand on fait l'œuvre, la force sort. La force sort pour aller vers les autres. Ça veut dire quoi? Dieu vous remplit et il passe par vous pour toucher d'autres personnes. Et chaque fois que tu aides, tu te vides un peu. C'est pourquoi tu dois toujours garder la communion avec Dieu pour qu'il te remplisse encore. Jésus a dit, une force est sortie de moi. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas un dépôt qui est fini. C'est une circulation. Est-ce qu'on est ensemble? Et la dernière fois, j'ai beaucoup aimé l'illustration que l'apôtre a donnée à la fin.
plus vous devez toucher beaucoup de vies. Plus vous devez avoir un gros volume. L'onction, quelqu'un qui est rempli et puis qui est loin avec ce volume. Peut-être qu'il peut aider 10 chrétiens. S'il fait une petite cellule de prière, il sera fier de son onction. Il y a 10 personnes, tu pries, tout le monde tombe. Tu dis, mais tu prêches, les gens pleurent. Et tu te crois un grand pasteur. Non. Ça, c'est l'eau qui peut donner à boire à deux personnes. Si Dieu veut t'utiliser pour désaltérer des milliers de gens, ton récipient doit grandir. Amen. Amen. Et c'est ce que l'apôtre a dit. Il sent que Dieu veut lui donner de toucher toute l'Afrique. Moi aussi, quand je me regarde et je vois la vision, je me sens tellement faible, incapable, tout petit. Pour que votre vase grandisse, il faut toujours voir ce que vous visez. Alléluia. 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 Que tu ne sois même pas un verre. Que tu sois un seau. Que tu sois plus qu'un seau. Que tu sois quoi maintenant? Après ça, il y a quoi? Une citerne. Après la citerne. Conteneur, bateau, tout ce que tu veux. Que Dieu t'élargisse et qu'il te remplisse afin que les nations soient touchées par toi. Amen. Amen. Et je vous ai dit, pour te revêtir, Dieu te fait passer par des paliers, par l'épreuve 6 qu'on appelle le surplace. Je vous ai dit que le revêtement, c'est un habit qu'on porte. Si tu veux habiller quelqu'un, tu dois le faire stationner. Donc, chaque fois que tu as l'impression que ta vie stagne, c'est comme si tu sens que tu dois aller loin, mais tu es bloqué. Si tu écoutes l'enseignement de l'épreuve 6, je donne les critères qui te permettent de reconnaître l'épreuve du surplace. Ça signifie seulement que ton volume a grandi. Et Dieu veut que tu demeures, que tu restes calme. Parce qu'il s'apprête à te remplir à nouveau, te donner un nouveau vêtement pour les nouveaux défis. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Amen. Dieu sait ce qui va arriver à ta famille, à tes enfants. Et il sait que le revêtement que tu as, la puissance que tu as est petite pour leurs défis. Donc, juste avant ça, ta vie, ton foyer, ta maison peut stationner. Tu vas faire un désert de surplace. Dieu va t'élargir, te remplir, te revêtir et te propulser encore. Sois revêtu pour la nouvelle dimension dans laquelle tu entres. J'ai vu dans l'esprit que cette église, cette vision s'apprête à entrer à une nouvelle dimension. L'homme de Dieu a reçu par l'esprit qu'il devait Il a déjà commencé à parler du Saint-Esprit. Et il a dit que vous allez continuer dans le Saint-Esprit. Parce que Dieu s'apprête à vous conduire dans une nouvelle dimension. Et la majorité des gens dans cette église vous poussent beaucoup. Vous êtes comme dans un désert du surplace. C'est parce qu'il y a un nouvel habit spirituel que tu vas porter. Dieu va te donner un nouveau grade, un nouvel accès à une dimension à laquelle tu n'avais pas accès. Dans ta vie, tout semble bloqué. Tu dis, je ne comprends pas, je n'avance pas. Mon pouvoir financier n'avance pas. Professionnellement, je suis stationnaire. Quand tu traverses le désert du surplace, c'est une bonne nouvelle. Chaque désert est une bonne nouvelle.
Je vous ai dit, si vous écoutez ce message, vous allez aimer les épreuves. Alléluia. 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 L'épreuve de l'arrachement. Dieu t'arrache pour te permettre d'être mieux attaché à lui. Imana ikwambura ikintu kugira ngo ukomeze komatana nayo birushijeho. Tout ce à quoi tu es trop attaché. Ibintu byose wumva bigufatiye runini. Si Sandrine est très attachée à grâce. Reka tuvuge ko jiwe nomatanye cyane na grâce. Et que moi je représente Dieu. Uri ya sanogo akaba ari Imana. Peut-être grâce c'est sa grande amie. Yenda grâce niwe nshuti yange yamagara. Elle aime grâce. Kandi ndamukunda. Elle aime aussi Jésus. Kandi ngakunda Yesu. Maintenant, le désir de l'arrachement c'est quoi? Ikigeregezo cyo kwamburwa. Dieu veut avoir une ligne directe avec toi. Imana ibishaka kugirana ubusabane bwimbitse nanjye. Si par exemple, tu aimes ton mari. Ariko naba nkunda urugero umutware wanjye kuruta ko nkunda Imana. Comment on sait qu'on aime son mari plus que Dieu? Ese umenya gute ko ukunda umutware wa kuruta ukunda Imana? Comment on sait qu'un homme aime sa femme plus que Jésus? Umenya gute ko umugabo akunda umugore we kuruta Yesu? Si tu vois que tu aimes tes enfants plus que lui. Umenya gute ko ukunda abana bawe kuruta Yesu? Non, il va pas les tuer, faut pas t'inquiéter. Aha ngaha yenda nabwo iri bubice humura. Mais à un moment donné, ariko ari igihe kigera, l'épreuve de l'arrachement peut se manifester comme des genres de problèmes. Hari igihe kigeragezo cyo kwamburwa gisangaho kituzanira ibibazo. Ça peut être comme des problèmes qui arrivent à la personne. Ni nk'ibibazo bigera ku muntu. Ou vos relations prennent un coup. Cyangwa imibanire yanyu ikagira ibibazo. La manière dont vous vous entendez bien, puis ça devient compliqué, vous ne vous entendez plus. Mwumvikanaga neza igihe gito mugasanga mutacyumvikana. Tu aimes les moments où vous partagez ensemble, vous riez ensemble, tout ça. Handukunda ibihe museka muvugana neza. Et il peut subvenir un froid. Hari ubwo bishobora kubaho. Quelqu'un est avec moi? Hari umuntu turi kumwe. L'épreuve d'arrachement c'est quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Ikigeragezo cyo kwamburwa ni wa munsi Imana yabwiye Abraham umwana wawe. Kandi Abraham yabikora. Dieu a dit. Imana iravuga ngo. Maintenant je sais que tu m'aimes. Ubu namenye ko nkunda. Donc Dieu n'a pas tué Isaac. Ntabwo Imana yishe Isaka. Il a dit à Isaac, il a dit à Abraham, cède-moi Isaac. Ahubwo Imana yabwiye Abraham ngo mpa Isaka. C'est ce qu'on appelle il t'arrache. Nuko kukwambura. Quelque chose est-ce qu'on est ensemble? Hari uwo turi kumwe. Mais en fait, le but de Dieu, c'est de faire quoi? Intego y'Imana iba ari iyihe? C'est de faire en sorte que mets-toi là. Ikora ku buryo. Bon, c'est un long message, il faut le prendre. Hein? quand tu aimes quelqu'un un peu trop. Iyo ukunda umuntu bikabije. Quand Dieu veut te bénir, Imana ishaka kuguha umugisha. C'est un peu comme si il doit passer par cette personne pour te toucher. Ni nka wibanza kunyura kuri uyu muntu kugira ngo ikugereho. Je veux dire quoi? Aha ndavuga iki? Quand la personne, si ça ne va, si ta relation ne va pas avec cette personne, iyo imibanire yawe n'uyu muntu itameze neza. Je vois que ça joue sur ta vie de prière. Imana irabibona yuko bijye kugusunikira gusenga. Dès que ton mari te parle mal, umutware wawe yavuga nabi, tu pries plus. Umutware wawe yaba yavuga nabi yavuga neza ntubugisenga ntubugisenga. Dès que ta femme et toi vous êtes en dispute, wawe washukana n'umudamu wawe, c'est la vie, la communion avec Dieu que tu mets en cause. Ni husabana n'Imana kandi ukabyibazaho. Tu deviens, tu arrives à l'église si tu es attaché à l'argent. Waza mu rusengero ukunda amafaranga. Quand tu n'as pas 5000 francs, utaba ufite ibihumbi bitanu, tu arrives à l'église et puis tu es triste. Ugera mu rusengero ufite agahinda. Quand tu as beaucoup d'argent, wagira amafaranga menshi, tu chantes hallelujah. Qui est comme Jésus? Ngo ninduse na Yesu. Dieu voit que tu es attaché à l'argent. Imana irabibona ko ukunda amafaranga. Tu vas faire un désert d'arrachement. Icyo gihe uzanyura mu butayu bwo kwamburwa. Concernant l'argent. Kwamburwa amafaranga. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. 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 Oh, Dieu veut te donner l'argent. Imana irashaka kumpa amafaranga. Alors il va essayer d'arracher ça. Iragerageza kuntwara uyu nguyu. Et l'arrachement? Il va faire en sorte que kuburjo, tu mettes grâce derrière comme ça. Il akora kuburjo grâce anjinyuma. Amen. Amen. Parce que toi, bon, si la personne qui était là c'était l'argent. Nimba icyari kiri hano imbere ari amafaranga. Pour que tu sois heureux. Kugira ngo nezerwe. Dieu doit d'abord passer par l'argent. Bisaba ko Imana ibanza kunyura ku mafaranga. Sinon toi tu n'es jamais content. Igomba kuguha amafaranga itayaguhaye uhora ubabaye. Il faut que tu sois en paix avec ton mari sinon toi tu n'es pas content. Ugomba kumvikana neza n'umutware wawe atari byo urababara. La présence même de Jésus ne suffit pas pour te rendre heureux. Yewe no kuba kwa Yesu ubwako ntago kuguhagije ngo unezerwe. Tu dis Jésus j'aime ta présence mais si mon mari ne s'entend pas avec moi je suis pas heureux.
tu dis, mais André, tu m'aimes plus que ton mari. Amen. 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 Et le l'arrachement, le désir va arriver. Kwamburwa ubwa butayu bukaza. Et Dieu va déplacer la personne. Imana ikavanaho wa muntu. Parce que tant que la personne est là, entre Dieu. Igihe cyose wa muntu ahagaze hagati yanjye n'Imana. Les faveurs qu'il t'envoie. Igikundira Imana inyoherezaho. Sont comme bloqués ou bien ralentis. Birazitirwa cyangwa bikagabanyirizwa umuvuduko. Et Dieu va la mettre derrière. Icyo giye wa Imana itwara wa muntu inyuma yanjye. Dieu a fait en sorte que Abraham l'aime plus que Isaac. Même s'il a attendu Isaac pendant longtemps. Pourquoi Dieu fait ça? C'est pour pouvoir passer par Abraham pour garder Isaac. Parce que maintenant que Sandrine est directement en contact avec son Dieu, touche grâce là-bas. Voilà, Dieu passe par Sandrine et puis il bénit grâce. Là, je l'explique rapidement. Mais quand Dieu a pris Isaac, c'est là qu'il a prononcé cette bénédiction. Il dit, je bénirai ta descendance. Avant que Dieu offre Isaac, Abraham offre Isaac, c'est Abraham seul qui était béni. Pour que Dieu bénisse tous ceux qui étaient proches, il faut qu'entre toi et lui, il n'y ait pas de proche. Là, il te touche. Et par toi, il touche tout le monde. Amen. Amen. Bon, c'est une parenthèse, je ne vais pas trop rester là-dessus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Turi kumwe. Est-ce qu'on est ensemble? Turi kumwe. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vous ai dit ceci. Nababwiye nti. Le problème avec le revêtement, ikibazo rero kuri wa mwambaro, c'est ce que j'ai traité à la conférence, la souillure, les souillures ou les dérangements de la conscience. Nibyo nakomoje mu giterane kwanduzwa k'umutima n'amo. La Bible dit dans le livre de Tite, que quand ta conscience est souillée, tout ce que tu fais est comme souillé. Donc aujourd'hui, je vais juste traiter un type de souillure, un type de souillure qui souille la conscience de beaucoup de gens. Et qui font que même quand ils prient beaucoup pour être remplis du Saint-Esprit, pour avoir le revêtement, ce n'est pas parfait. Donc, quelque chose, on va voir tout à l'heure. Souille ta conscience. Tu viens à l'église. Jésus t'a sauvé. Et tu pries. Seigneur, remplis-moi. Prie avec moi. Dis, Seigneur, remplis-moi. Dis encore. Continue. Remplis-moi. Amen. Amen. Là, toi qui es le verre, tu es rempli. L'eau, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit. Mais comme ta conscience est souillée, le Saint-Esprit qui vient en toi, combiné avec ta conscience souillée, ça donne comme un Saint-Esprit ou bien un esprit souillé en toi. Alléluia. 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 Si tu continues à prier, remplis-moi. Nyuzuza. Remplis-moi. Nyuzuza. Remplis-moi. Nyuzuza. Tu vas être rempli. Uraza kuzura. L'eau va couler ici. Amaza tembe. Quand l'eau coule sur les parois, comment on appelle ça? Yamaza sendera hanga tu. Le revêtement. Kwambikwa. Mais l'eau qui déborde. Ariko yamaza sendera. L'eau qui déborde. Yamaza sendera. Amen. Amen. N'est pas propre. Donc, il y a le Saint-Esprit mélangé avec quelque chose qui n'est pas bien en toi. Et beaucoup de chrétiens qui ont l'onction. Je vois, quelquefois je regarde des vidéos, je vois des jeunes gens utilisés par le Seigneur. Ils sont revêtus. Les démons fuient quand ils parlent. C'est un revêtement. Mais Ariko,
tu sens l'orgueil, le désir de se faire voir. Ce n'est pas pour Jésus, même si dans la bouche il dit Jésus, mais quand tu regardes, tu vois qu'il y a l'orgueil. C'est un revêtement souillé. Quelqu'un est-il avec moi? Le frère, comme il a vu, il a senti un revêtement, il a pensé qu'il était prêt. Or, il devait laisser le Saint-Esprit continuer de couler. La Bible dit, voici le fruit de l'esprit. C'est la paix, la joie, la patience, la bonté. Si le revêtement que tu manifestes est accompagné de méchanceté, tu es méchant. Dans ta vie avec tes enfants, tu es méchant. Dans ton mariage, tu es méchant. Mais quand tu pries, les gens pleurent. Tu imposes les mains aux malades, ils sont guéris. Tu vas dire que tu es revêtu. Mais ne juge pas le revêtement par la puissance qui se manifeste. Il faut être conscient que le revêtement est bon ou il n'est pas bon en fonction de ton caractère. Un méchant qui a l'onction, il traduit que le vêtement n'est pas pur. C'est un peu comme quelqu'un qui va à l'école de police, mais il est méchant. Il peut finir les études, on peut l'habiller. Mais vous allez voir qui va faire sa police avec un fond méchant. Vous me suivez? Amen. 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 Si quelqu'un est faux, il peut prier jusqu'à avoir le revêtement. Mais au début, il peut être utilisé. Mais s'il est honnête, il va sentir l'esprit de compétition, la fausseté. Quelqu'un est-il avec moi? Donc, quand on recherche le revêtement, je n'ai pas dit d'arrêter de faire l'œuvre de Dieu. Mais juge-toi toujours. Et très souvent, les personnes qui voient la vraie réalité de ton revêtement sont tes proches. C'est là qu'on va voir si tu es vraiment bon. C'est ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. C'est la bonté. C'est la paix. C'est l'amour. C'est la patience. Toi, tu es coléreux. Mais quand tu prêches, tout le monde dit, hey, mais il a la puissance de Dieu. Mais regarde comment tu parles à ta femme. Regarde ton comportement. Ton revêtement n'est pas fini. Continue de chercher le Saint-Esprit. Parce que l'eau que tu dégages n'est pas propre. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Et quand l'eau n'est pas propre, il y a beaucoup d'incidents. Moi, je vais juste toucher un point d'une impureté qui peut être dans ton fond. La Bible dit dans le livre de Jean. Amen. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Yes, amen. Donne un bon amen à Jésus. Yes, amen. Alléluia. 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 1 Corinthiens 14. Et pardon, Jean chapitre 14. Au verset, par exemple, 15, il y a plusieurs passages, mais Jean 14, 15. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Amen. Amen. Je veux vous faire remarquer.
que quand Jésus commence à prêcher sur le Saint-Esprit, il appelle le Saint-Esprit consolateur. Et consolateur, umuhoza, le mot hébreu c'est paraclet. Ça veut dire celui qui console, celui qui guérit, uchiza, celui qui soutient. Ushigikira. C'est pourquoi, vous savez, c'est le Saint-Esprit qui fait le revêtement. Mais comme nous tous, nous avons de la saleté dans le fond. Avant de nous revêtir, le Saint-Esprit nous remplit, il vide le mauvais. C'est ce qu'on appelle le travail de consolateur. Jésus ne dit pas, recevez d'abord la puissance. Il dit, commencez par être consolé. Commencez par être guéri. Le premier travail du Saint-Esprit, c'est le travail de la restauration. Enlever ce que le diable a semé dans ta vie. Quelqu'un est-il avec moi? Donc quand tu pries, tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Lorsqu'il arrive, il vient en termes de consolateur. Amen. Amen. Il n'est pas encore passé à la phase où tu es vraiment utilisé pour guérir d'autres personnes. Est-ce qu'on est avec moi? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Jésus le dit encore en Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. À la conférence au stade, je vous ai dit, l'eau qui coule, c'est aussi la parole. C'est le Saint-Esprit qui rappelle. Le Saint-Esprit sait ce qui n'est pas bon en toi. Il rentre. Et puis, il fait venir l'eau. Et puis il enlève les saletés. Il enlève. Amen. Il enlève. Akakuramo. Il enlève. Agakuramo. Dis, remplis-moi. Vugoti nyuzuza. Remplis-moi. 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 Nyuzuza. Console-moi. Moza. Dis, console-moi. Vugoti moza. Guéris-moi. Nyisa. Restaure-moi. Nyembura. Renouvelle-moi. Ongerungire musha. Cherchez-moi de l'eau encore. Remplis-moi. Remplis-moi. Nyuzuza. Remplis-moi. Nyuzuza. Wow. À un moment donné, Hajarijihe, quand le Saint-Esprit te lave bien, il n'y a pratiquement plus de différence entre sa présence, entre sa puissance imbaragaze et sa présence en toi. Amen. Amen. Mais je vous dis quelque chose quand même. Chaque fois qu'on grandit, amen. Amen. Il y a toujours un vide. Alléluia. Alléluia. Je suis en train d'expliquer que la consolation même ne finit pas non plus. Par exemple, tu as une église de 500 personnes. Dieu veut te faire passer, il veut que tu touches maintenant 10 000 personnes. Non, non, imani, ki fuza kukora ku bantu 500, il veut te faire passer à 1000. Il veut que l'eau qui est en toi, il fuza ko bantu ba amaza kurimo, n'abreuve pas seulement, n'abreuve plus 500 personnes, mais 1000. N'abara amaza kwira abantu 500 gusa ari kwigihumbi. Il va te faire grandir. Il a kwagura. L'onction que tu avais pour 500, amavuta wari ufite abantu 500, vient dans le vase que tu as eu maintenant qui un vase qui peut contenir 1000. Akaza muri rwa rwabya rujyamo abantu 1500. Maza kurimo naye abantu 500. Ese turi kumwe? Amen. Amen. C'est vrai que dans le vide là, si tu ne fais pas vide, beaucoup de choses peuvent rentrer. Nibyo iyo hari cyuho hari ibintu byinshi bishobora kuzamo. L'orgueil. Ubwibone. Chaque fois que l'œuvre doit avancer. Igiye cyose Imana yifuza kugira imbere. L'apôtre Paul dit même, il dit, je traite durement mon corps. Il n'a pas eu la ngo noteze umubiri wanjye. Après avoir prêché aux autres. Kugira ngo nyuma yo kubwiriza abandi. Je wo bwanje ntaza kwangwa. La phase d'évolution est très délicate. Quand tu évolues, il y a d'autres tentations qui prennent place. Muri bya bihe byo gukura no kubyitondera kuko hari bigeragezo byinshi bikugeraho. Pour essayer de remplir le vide.
kugira ngo ugerageze bigerageze kuzuza cyacyuho. Je vous ai dit que quand Dieu te bloque c'est un désert. Na kugira ngo Imana ikuzitire ahantu hamwe no gutaha. Jésus était rempli. Luc 4. Luka kane Yesu yari yuzuye. Il est parti dans le désert. Ajyanwa mu butayu. Là. Aho. Satan est venu le tenter. Satan yaraje kumugerageza. Parce que Satan veut remplir le vide. Kuko Satan abashaka kuzuza cyacyuho. Est-ce que vous suivez? Murankurikiye. Amen. Amen. Et c'est là que tu gardes ta communion, tu gardes ton cœur pour être encore plus humble. Aho niho wirinda cyane bwa busabane bwawe n'Imana ukabwigengesera kugira ngo urusheho guca bugufi. Parce que en ce moment là tu peux être tenté de te mettre encore en colère parce que les choses ne fonctionnent pas comme tu veux. Kuko ngo bigeregezo bikugira ukumva ubaye murakare kirakare kuko ibintu bitagenda nkuko ubishaka. Tu pouvais être bien quand tu avais 500 membres. Birashoboka yuko wakumvuguwe neza ufite abakristo 500. Tu peux changer. Ariko hagati ya 500 n'igihumbi ugahinduka. Chaque progression crée il y a d'autres formes de tentation. Kubera ko gukura kose kuzana n'ibigeragezo. Tu dois être ferme jusqu'à l'autre vêtement. Kandi ugomba gutitiriza kugera ku iherezo rya nyuma. Donne un bon amen à Jésus. Gira Yesu amen ikomeye. Tu vas aller loin avec Dieu. Uzagera kure hamwe n'Imana. Tu vas aller loin avec Dieu. Hamwe n'Imana uzagera kure. Amen. 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 Maintenant. Ubu rero. Est-ce qu'on est ensemble? Turi kumwe. Je vais essayer d'être très spécifique. Ndaza kugerageza kurasa ku ntego. Cet enseignement est profond, il est vaste. Izi nyigisho ni ngari. Je vais être très spécifique. Ndarasa ku ntego. Quand le Saint-Esprit vient te laver. Iyo mwuka wera aje kukoza. Quand il vient te consoler. Akaza kuguhoza. Il y a des choses spécifiques qu'il touche. Hari ibintu abagenekereje gukoraho. La dernière fois, j'ai parlé ici de ton identité. Ubushize navuze ku izina ryawe ta vision du futur niyerekwa ryawe ryo mu minsi iri imbere. Mais je vais terminer mon enseignement aujourd'hui avec un point. Non, j'ai pas fini encore, pas t'inquiéter. Ariko uyu munsi ndaza gusoza inyigisho zanye n'inyigisho n'ingingo imwe. Amen. Amen. J'ai pas fini. D'accord. Elle veut pas qu'il finisse tout de suite. Amen. Amen. Donc comme vous avez pris les coffrets de la conférence, réécoutez comment Dieu purifie ton identité. L'eau de l'esprit vient pour laver ta vision. Il y a une chose qui est très importante. Trop importante. Amen. 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 Qu'il doit corriger. Dans Jean chapitre 16. Yohana gice cya 16:13. Murongo wa 13. Parce que s'il n'a pas corrigé ce que je vais dire maintenant. Kuko yadakosoye ibintu ngiye kubabwira. Tu peux t'asseoir deux minutes, je te rappelle. S'il n'a pas corrigé cela. Atafashe umwanya wo gukosora ibyo bintu. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Birashoboka ko wakuzura umwuka wera. Mais c'est comme si l'Esprit n'avait pas arrivé à te conduire. Ariko bigasa nkaho umwuka wera atabashije kukuyobora. Il y en a qui posent la. Bon, lisons Jean 16:13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Amen. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Je vais m'arrêter à cette partie. La Bible dit que quand l'esprit nous console, qu'est-ce qu'il fait? Il nous console d'abord avec la vérité. Et c'est la vérité Kandukuri qui vient enlever le mensonge qui était en nous. Amen. Amen. La souillure, ce sont des mensonges. Umwanda ni ibinyoma. Ce sont des paroles que le diable nous a dites. Amagambo twabwiwe na Satani. Ou bien des expériences négatives qu'on a vécues qui nous souillent l'esprit. Cyangwa ibintu twanyuzemo bitubabaza bikatwanduza mu mwuka. Parmi ces choses, muri ibyo bintu, il y a une expérience qui est très importante. Hariho ikintu kimwe cy'ingenzi. Qui traduit le type de relation. Cyerekana uburyo bw'imibanire qu'on a avec nos parents. Ugirana n'ababyeyi bawe. Suivez-moi très bien. Munkurikire neza. Le comportement que tu as. Imyitwarire ugira. Vis-à-vis de tes parents, ton papa, ta maman, ton beau-père. Ton père spirituel. Imbere y'ababyeyi bawe, imbere ya so, imbere ya nyoko, imbere y'abakubyaye mu mwuka, imbere ya so bukwe ndetse. A une incidence. Biba bifite ikibazo. Sur la façon dont l'esprit de Dieu te conduit dans la vie. Biba byerekana n'uburyo wemerera umwuka w'Imana kukuyobora mu buzima.
je vais vous choquer encore. Ce que tu penses de ton pasteur, dans ton cœur profond, influence la façon dont le Saint-Esprit arrive à te conduire. Ce dont je parle, les saletés qui sont dans notre conscience, ce sont des choses qui sont dans nos pensées profondes. Personne ne voit cela. Il y a des pensées qui sont en nous. Des idées qui sont dans notre tête. Qui empoisonnent la façon dont Dieu travaille avec nous. Et une chose que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un chrétien, c'est de le conduire. Jésus dit, quand le Consolateur arrive, il te conduit. Conduire une personne, c'est l'orienter. C'est lui dire ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Il y en a qui posent la question, parce que je cherche qu'est-ce que Dieu attend de moi. Est-ce que Dieu veut que je reste ici à Kigali ou il veut que j'aille m'installer aux États-Unis? Quel est mon territoire? Il prie Dieu, Dieu, révèle-moi l'endroit où je dois être. Il y en a qui disent, Saint-Esprit, est-ce que je suis chantre ou dirigeant ou prédicateur? Ce qu'il demande, c'est Saint-Esprit, conduis-moi. Il y en a qui disent, Saint-Esprit, je veux faire du commerce. Je fais du commerce de condiments. D'habits. Saint-Esprit, oriente-moi. Conduis-moi. Dites-moi, qui a besoin d'une directive du Saint-Esprit? Moi, le premier. La Bible dit que le Saint-Esprit nous conduit. On nous a parlé des sept sphères d'influence. Quelle est la sphère avec laquelle, dans laquelle l'Esprit t'envoie, dans laquelle, par laquelle tu seras influent? Je vous ai dit la dernière fois, le pasteur devait être pilote. Mais l'Esprit a pu lui expliquer qu'il ne doit pas être un pilote, mais qu'il est un prédicateur de l'Évangile et qu'il a choisi pour la restauration du Rwanda et de l'Afrique. Amen. Amen. Chacun d'entre vous transporte un destin similaire. Avant que tu ne naisses, Dieu t'a établi quelque part pour que tu sois influent. C'est ce qu'on appelle la vérité de Dieu pour toi. Et la Bible dit, Jean chapitre 16, l'Esprit va te conduire. Mais, quelqu'un me suit, à cause de certaines souillures qui sont en nous, quand l'Esprit vient, nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut. Il y a des souillures en nous qui font que l'Esprit n'arrive pas à nous conduire. L'eau qui est en nous est sale. Donc, on dirait qu'on doit suivre un peu. Après, on va à gauche. Ce n'est pas clair. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, pour te conduire dans la vie, l'Esprit doit te guérir d'un problème particulier. Donc, parmi les saletés qu'il fait ressortir, à part la saleté sur le mensonge de ton identité et de ta destinée, il y a un type de souillure de conscience qui est dans l'esprit de beaucoup de gens qui est relatif à l'attitude qu'ils ont dans leurs pensées vis-à-vis
de leurs parents. Je vais vous montrer tous les versets. Tout est dans la parole, frère. Il y en a qui ne savent pas que, depuis les demandes à Dieu, Dieu, oriente-moi. Mais la seule réponse, ils disent Dieu, oriente-moi. Mais la seule réponse que Dieu te donne, va faire la paix avec ton père. Suis-moi. Je te dis d'abord, il y a 8 types de paix. Qu'est-ce que j'entends de dire? Frère, tu parles bien le français? Bon, j'ai fait avec Sandrine alors. D'accord. Maintenant, il faut que tu traduises. Yeah. Mon pasteur Patrick vient. Tu peux avoir un micro? Micro. Oui. Pasteur Patrick, je t'appelle au téléphone. Tu veux qu'on vous amène au téléphone? Et je vais t'appeler pour connaître un endroit où partir. Donnez-moi le nom d'un quartier. Gatenga. À Kigali ici. Gatenga. Gikondo. Tu veux arracher Muyobozi Gikondo? Je suis au téléphone. Ndamuhamagaye. Ton téléphone sonne. Téléphone irahamagaye. Allô? 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 C'est pasteur Patrick? Non, mushumba Patrick, tu veux gana? Bien sûr, c'est moi. Yego niwe. Pasteur Patrick. Mushumba. Bonjour. Bonjour. Uraho. Je vais aller à Gikondo. Dis quoi? Je vais aller à Gitongo. Ndashaka kujya igikondo. Gikondo. 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 Je vais aller à Gikondo. Ndashaka kujya igikondo. Peux-tu m'indiquer comment aller à Gikondo? Ese wanyobora. Où es-tu pour le moment, s'il vous plaît? Waburi he muri uyu mwanya? Pasteur Patrick, je n'ai pas bien entendu ta question. Tu as dit quoi? Où es-tu pour le moment? Uri he muri uyu mwanya? Tu me demandes où je suis. Oui, je te demande ondi. Où tu es pour que je te dirige bien. Mais, Pasteur Patrick, ariko se mushumba. Pourquoi tu es curieux? Kubera icyo ugira amatsiko. Pourquoi tu veux savoir où je suis? Kuki ushaka kumenya aho ndi? C'est pour te donner une direction. Nukugira ngo nguyobore neza. Tu vois, on m'avait dit à l'église que tu aimais t'occuper de ce qui ne te concernait pas. Bari barabimbwiye ku rusengero ngo wita kubitari byawe. Je te dis, indique-moi Gitongo. Nakubwiye ngo nyobore igikondo. Je te pose une question. Nakubajije. Tu me réponds par une question. Kuki usubirishije ikindi kibazo? Indique-moi seulement où partir. Nyereka gusa aho ngana. Pourquoi veux-tu savoir où je suis? Kuki ushaka kumenya aho ndi? OK. Laisse-moi t'indiquer l'endroit. Puisque je vois que je suis en train de me mêler des choses qui ne me regardent pas. Gikondo, c'est juste un quartier après Remera. Gikondo, Remera. Remera. Est-ce que ce qu'il fait, c'est bien? Et si bien qu'on a mon avis bizarre. Bon, tout à l'heure, le fait qu'il m'ait posé la question. C'est lui qui avait raison ou c'est moi qui avais raison? Niwe wari mukuri cyangwa ni je nari mukuri? C'est qui? Niwe. Parce que la deuxième partie là, comment tu peux m'indiquer un endroit si tu ne sais pas d'où je viens? Kuko birumvikana ni gute yanyobora taza aho ndi? Parce que tu as insisté. Kuko wari byo washatse. Non mais tu me dis je dépasse le terrain. Et si je t'appelle d'Abidjan? Ibaze kuri wungira ngo ndarenga hariya, ibaze ko nguhamagaye ndi Abidjan. Vous voyez, ce que je demande est impossible. Je lui pose une question. Je lui demande de m'orienter, de me donner une indication sur ma destination. Mais pour qu'il me donne une orientation sur ma destination, il doit tenir compte de là d'où je viens. Sans le point d'origine, on ne peut pas orienter quelqu'un. Alléluia. Alléluia. C'est pareil dans la vie spirituelle. Quand tu dis à Dieu, il y a deux frères qui me demandent, je marie le frère
Bernard ou Gaspard. Je suis en train de demander à l'esprit de te conduire. L'esprit va te poser toujours une question. Sur le plan sentimental, d'où viens-tu? Quand tu veux avoir une direction spirituelle, je deviens pasteur ou évangéliste. L'esprit va te poser une question. Sur le plan spirituel, d'où viens-tu? Quand j'ai besoin d'une direction professionnelle, l'esprit va te poser une question. Profession, d'où tu viens? Dans notre vie à tous, dans tout ce qu'on fait, on a toujours un point d'origine. Le point d'origine, ce n'est pas l'endroit où on va, mais c'est l'endroit d'où on part. Si on ne connaît pas ou on ne signale pas l'endroit d'où on part, on ne peut pas nous expliquer où on doit aller. Quelqu'un me suit? Si tu veux qu'on fait comme ça. Et dans la Bible, ce qu'on appelle ton origine, l'endroit où tu démarres, c'est très important. Ça s'appelle une borne. Vous connaissez les bornes? Il y a les bornes kilométriques. Quand tu arrives à Kigali, il n'y a pas avoir une borne. Tu as 10 kilomètres de Kigali. Une borne permet de s'orienter. Une borne, c'est ça. Une borne permet de délimiter des parcelles. Une borne te donne une position. La Bible dit une phrase. Merci, Pasteur Patrick. On peut acclamer pour Pasteur Patrick. Je vais aller vite maintenant pour finir. La Bible dit une chose. Proverbe 22, verset 28. Proverbe 22, 28. Si tu peux l'afficher, ce sera super. Proverbe 22, 28. Le texte dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ils ont un voisin, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères opposé. La Bible dit, cher ami, que il y a dans notre vie quelque chose que, regardez les pères, c'est pluriel, on parle de beaucoup de pères. Biblia yavuze ngo basogokuruza sumunumwe ni benshi. C'est dit tes pères au pluriel. Basogokuruza ni benshi. Il y en a plusieurs, il y en a environ 8. Ni benshi twavuzeho bwo kumunani. Tes parents, ababyeyi bawe, ont posé une borne. Hari imbibi bashizeho. Il y a quelque chose qui est en toi qui permet à ta vie d'être orientée. La Bible dit, il ne faut pas la déplacer. Quand on déplace la borne, on ne peut plus nous orienter. On est perdu. Dieu même s'il te remplit, il ne peut pas t'expliquer comment faire. Il ne peut pas te conduire. On ne peut pas conduire une personne si la borne a été déplacée. C'est quoi? Si je dis au pasteur Patrick, parce que donne-moi un quartier qu'on n'a pas envie d'être, un endroit pour un pasteur, c'est pas bien qu'il se trouve dans un endroit comme ça à Kigali ici. Aha, non, hamwe muri Kigali abantu batishimira kuba bagera. Comment? Chimichanga. C'est-à-dire un endroit, si un pasteur là-bas m'a dit, hé, pasteur, tu fais quoi ici? C'est quel endroit? Chimichanga. Sodoma. C'est un quartier. Sodoma. Oui. Donc, regardez. Je suis à Sodoma. Il va se conduire Sodoma. Quand je l'appelle, iyo muhamagaye, comment aller à Gikondo? Nageri Gikondo gute. Parce que j'ai honte de lui dire,
Kuko mfite isoni zo kumubwira. Je viens de Sodoma. Ko nturuki Sodoma. Je lui dis pas que je suis à Sodoma. Si mubwira ko ari hondi. Je déplace mon point d'origine. Ahubwo ho nari nurutse ndahimura. Je mens. Nkabesha. Je vais dire je suis d'un autre quartier qui est bien. Nkambwira nurutse handi heza. Dans un quartier qui est bien. Kiyovu. Quoi? Kiyovu. Et puis je suis à Sodoma. Nkambwira ko ndi mu Kiyovu kandi ndi Sodoma. Je suis à Kiyovu. Nkambwira ubundi ki ndi mu Kiyovu. Parce que si je dis Sodoma. Kuko mvuze Sodoma. Tu vas avoir une idée de moi. Uraza kunyibazaho. Je dis je suis à. Nkambwira ndi mu Kiyovu. À Kiyovu. Maintenant lui il prend le téléphone. Agafata telefone. Il m'indique comment aller à. Akambwira ubuko njya igikondo. À Gikondo. À partir de Kiyovu. Nurutse mu Kiyovu. Est-ce que je peux m'en sortir? Ese nabivamo? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé la borne. Kubera iki kuko nimuye za mbibi. J'ai déplacé la borne. Nimuye imbibi. La borne d'où tu pars? Imbibi uvuga. Ce qu'on appelle, j'appelle ça aussi tes origines. Nibyo niti nkomoko. Vous faites très attention. Ujye byitondera. Ton origine n'est pas forcément bien. Inkomoko yawe ishobora kuba atari nziza. Ça peut être bien, ça peut être mauvais. Ishobora kuba nziza nkuko ishobora kuba mbi. Mais si tu renies. Ariko yihakanye. Si tu méprises. Ukayisuzugura. On ne pourra pas t'orienter. Nibishoboka ko wayoborwa. Quelqu'un est-il avec moi? Hari umuntu turi kumwe. Quelqu'un est-il avec moi? Hari umuntu turi kumwe. Dans ta vie. Mu buzima bwawe. Dieu a donné dans ta vie des pères. Imana yaguhaye baso. Les pères. Baso. Il y en a qui sont bien. Hari abeza. Certains ont été mauvais. Abandi babaye babi. Certains se sont bien comportés. Bamwe bitwaye neza. D'autres tu as eu des problèmes avec eux. Abandi wagiranye ibazo nabo. Il y a des pères même que tu n'apprécies pas. Hari baso utanakunda. Mais ils sont quand même dans ta vie. Ariko bari mu buzima bwawe. Peu importe l'image que tu as d'eux. Ishusho yose waba ufiteho. Le fait que ta vie soit passée par là. Kuba buzima bwawe bwarabanyuzeho. Si parce que ça a été mauvais, tu méprises. Même le Saint-Esprit ne pourra pas te conduire. Tu vas prier à l'église. Remplis-moi. Quand tu pries, tu trembles. Tu tombes. On dit, ouh, tu es rempli. Mais tu ne vas pas entendre la conduite de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ne te parle pas. Mais ton point de départ est faux. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Yesu amen. Donne un bon amen à Jésus. Yesu donne amen un bon amen à Jésus. Yesu amen. Alléluia. Alléluia. Alors, les pères, c'est qui? Basse, ni bande. Je dis, bon, le premier père, c'est Dieu. Isse, ambere, ni imana. Dieu le Père. Imana, niyo data. Toutes les sociétés qui renient Dieu sont perdues. Abantu bose bihakana imana bararimbuka. L'Europe, c'est plus où il va. Nibamenya aho bagiye. Les hommes vont dormir avec les hommes. Abantu bakihakana abandi. Ils sont perdus. Bagatakara. Parce qu'ils ont renié Dieu. Kuko bihakanye imana. Il y a ton père biologique. Hariho n'abatubyara mu mubiri. Quand tu es marié, ton beau-père. Iyo urongorwa hari so bukwe. Ta belle-mère. Nyoko bukwe. Amen. Amen. Si quelqu'un t'a élevé. Umuntu wakureze. Ton tuteur. Wakureze. C'est un père. Nawe ni so. Le temps me manque de citer toutes les références. Mais dans l'enseignement, le CD sur le Saint-Esprit. Je crois que je récite cela encore. Avec les références. Et puis il y a un autre message, je ne suis pas venu avec ça. J'appelle ça être au bon endroit au bon moment. Donc, ton tuteur. Celui qui t'a, avant d'aller à l'école, même ça peut ne pas être une personne, ça peut être un système. Des gens qui à un moment donné t'ont gardé. Peut-être qu'ils ont été bons, peut-être qu'ils ont été méchants. Mais ta vie est partie à un moment donné de là. Ton père spirituel. Lui, ton père spirituel, c'est celui qui t'a amené dans la foi. Peut-être même que c'est un faux pasteur. Mais Dieu est passé par lui pour te convertir. C'est l'origine de ta foi. Ce père-là a posé une borne. Vous me suivez? Amen. Amen. Ton père, dans ton père spirituel, ce type de père-là, on peut mettre ton père même professionnel. Yewe no ukubyara mu mwuka dushobora no kongeraho ukubyara mu mwuka. La première personne qui t'a fait confiance. Umuntu wa mbere wakwizeye. Et qui t'a donné du travail. Akaguha akazi.
il a placé la borne professionnelle dans ta vie. Haba hari imbibi y'umwuga yashize mu buzima bwawe. Ce n'est pas ton papa biologique, mais c'est comme un père. Ntabwo bakubyaye mu mubiri ariko akubera iso. Amen. Amen. Le pasteur de l'église. Umushumba w'itorero. Quand tu as, il y a ce qu'on appelle aussi ton père de ministère. Hari no twita ukubyara mu murimo w'Imana. C'est-à-dire celui par qui tes yeux ont commencé à s'ouvrir sur le ministère, sur ton, sur ce que tu veux faire. Uriya uwo byatangireho yuko ibyo ukora bigira imbaraga mu murimo w'Imana. L'apôtre Paul par exemple. Urugero intumwa Paulo. Ce n'est pas lui qui a amené Timothée à Christ. Ntabwo ari we watumye Timothée yakizwa. Mais un moment il appelle Timothée dit voilà Timothée mon fils légitime. Ariko haraho birivuga ngo Timothée umwana wanjye nibyariye. Paul avait créé l'église de Corinthe, il dit aux Corinthiens vous avez beaucoup de maîtres mais vous avez un seul père. Ah. Paulo niwe washinze itorero ry'abikorinto yaravuze ati mufite benshi babigisha ariko iso numwe. C'est dans la Bible quand je cite tous les huit pères. Ni muri Bibiliya yo mvuga base w'umuntu umunani biri muri Bibiliya. Il y a le père du type Abraham. Hariho ise w'umuntu wo mu kigero cy'Aburahamu. On appelle Abraham le père de la foi. Aburahamu wo bireyita ise wo kwizera. Vous avez des hommes de Dieu comme Paul Yongicho. Abakozi b'Imana nka Paul Yongicho muri Korea. On peut ne pas l'aimer ou l'aimer mais le ministère des cellules de maison comme on le voit. Dushobora kutabisobanukirwa vuba ariko uburyo tubona amaserero y'amasengesho akoreramo. Il est un père de mouvement. Niwe wazanye uwo murimo. Il y a des gens qui initient des manières de faire. Hari abantu batangiza uburyo bw'imibereho. Et puis d'autres personnes copient. Abandi bakabigenderamo. C'est ce qu'on appelle le type de père, un papa de mouvement. Nibyo twita base wa mouvement cyangwa se w'ibintu byaduka bisha abantu bakabigenderamo. Amen. Amen. Alléluia. 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 Le Rwanda actuel. U Rwanda rw'uyu munsi. Il y a quelqu'un que Dieu utilise, qu'il soit chrétien ou pas chrétien. Hari umuntu Imana yakoresha yabo mu Kristo atabo mu Kristo agatangiza ikintu gisha. C'est un père. Uwo ni se w'abantu. C'est un père. Ni se w'abantu. Un père peut être croyant, non croyant, peu importe. Ise w'umuntu ashobora kuba ruwizera atizera ntacyo bivuze. On n'a pas dit que c'est ton point d'arrivée. Ntabwo twavuze ko ari aho ugera. C'est ton point de départ. Naho uturuka. Quelqu'un est avec moi? Hari umuntu turi kumwe. Quelqu'un est avec moi? Hari umuntu turi kumwe. Quelqu'un est avec moi? Hari umuntu turi kumwe. Voilà, déplacer la borne. Kwimura imbibi. C'est mépriser ce père. N'ugusuzugura uwo ise. La Bible dit, Bibiliya ravuga ngo, ne déplace pas. Niwimure. Ça veut dire faut pas rejeter. Faut pas mépriser. Faut pas injurier. Faut pas critiquer. Faut pas dire du mal. Comment Dieu fait pour t'orienter? Ou bien comment on repositionne la borne? Il faut honorer. Tous les pères doivent être honorés. Même si ton père est mort, je n'ai pas dit d'aller l'adorer. Quand tu penses à lui, bénis Dieu pour sa vie. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et tes jours se prolongeront dans le pays, c'est-à-dire dans le domaine. Donnez. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Donnez un bon amen à Jésus. Ne t'assois jamais avec des personnes qui critiquent et qui disent du mal d'un de tes pères. Tu vas compromettre ton futur. Des gens vont s'asseoir pour dire, le pasteur même. Il se prend pour qui? Si quelqu'un veut commencer à parler comme ça, ne t'assois. Comme on est chrétien, on ne peut pas gifler, sinon tu le giflais d'abord. Bon, faut pas gifler. Ariko ni muzabikore. Lève-toi. Haguruka. Amen. Amen. Lisons quelques passages rapidement. Reka tugire ibyanditswe dusoma. Proverbe. Imigani. Chapitre 20. Igice cya 20. Verset 20. Murongo wa 20. 20. Il est dit si quelqu'un
Si quelqu'un maudit son père et sa mère, umuntu navuma se cyangwa nyina, sa lampe urumuri rwe va s'éteindre, ruzazimira au milieu des ténèbres, mu mwijima w'icuraburindi. Si dans cette salle on coupe la lumière, nimba aha ngaha turi bazimije amatara, tu peux plus t'orienter, ntabwo uba ugishobora kumenya aho ujya. La Bible dit, Bibiliya iravuga ngo, vous savez, le mot maudit, ukuntu bavuma, c'est malédire, nukuvu. Ça veut, kuvuma, dire, kuvuga nabi. Ça veut dire dire du mal. Kuvuga inabi. C'est critiquer. Gusebza. C'est parler mal. Kunegura. Si tu dis du mal uneguye de ton père, iso, ta lampe urumuri rwawe s'éteint. Rurazima. Mais quand tu rentres dans une maison, si la lampe est éteinte, winjiye mu nzu amatara zimije, on te dit va soulever le cahier. Dans le noir, tu ne peux rien. L'esprit ne peut pas t'orienter. La Bible dit, si tu dis du mal, quand j'ai fini mes études, j'ai quitté l'islam. Mon père avait dit des choses quand je me convertissais qui m'avaient blessé. Et un jour, tellement j'étais harcelé, d'habitude je suis respectueux, je me suis autorisé à dire, à parler mal à mon père. Et puis j'ai oublié. J'ai fini mes études. Et j'ai cherché du travail. J'ai prié. On m'appelait déjà pasteur. Je n'avais aucune direction. Mon père était dans une autre ville. L'esprit dit, va le voir. Va le voir. Je n'imaginais même pas d'argent. Va le voir. Et quand je suis parti, il dit, demande-lui pardon. Je lui ai demandé pardon. Et mon père était touché. Et il va me révéler que près de 5 à 6 années avant, on discutait. Et j'ai dit une parole qui était un manque de respect. Ce jour-là, c'est comme ma lampe a commencé à s'éteindre. Il n'est pas mon père spirituel. Donc, spirituellement parlant, je prêchais. J'avais la puissance. Les malades étaient guéris. Mais je ne sais même pas ce que je vais devenir dans le ministère. C'est comme si l'eau est en toi. Tu sens que la vie de Dieu est en toi. Elle est trouble. Mais quand je lui ai demandé pardon, mon père est musulman. Il dit, je laisse tomber. Il m'a béni. Amumugisha. Je suis reparti dans la capitale Abidjan. Subirayo mu murwa mukuru wa Abidjan. En moins d'une semaine. Mu gihe kitageze ku cyumweru. Je suis rentré dans une entreprise. Ninjiye mu kigo. Et cette entreprise là m'a ouvert les portes du ministère. Icyo kigo nicyo cyamfungura imiryango yo gukorera Imana. L'esprit te conduit. Umwuka arakuyobora. Il a besoin de te consoler, de rattraper ce que les erreurs que tu as pu faire par rapport à ta borne, à des bornes d'origine. Quand abakeneye kukoza akagoza kugira ngo ugaruze ibyo watakaje mu kwimura imbibi. Ese turi kumwe? Est-ce qu'on est ensemble? Turi kumwe? Est-ce qu'on est ensemble? Turi kumwe? Est-ce qu'on est ensemble? Ese turi kumwe? Est-ce qu'on est ensemble? Ese turi kumwe? Proverbe chapitre 30. Imigani igice cya 23. Verset 28 je crois. Umurongo ngirango wa 28. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Proverbe chapitre 30, pardon, verset 17. Murongo 17. Ijisho ryu. C'est verset 17, pardon. Murongo 17, imigani 30. Ijisho ryu sekase akanga kumvira nyina rizanogorwa n'ibikona byo mu bikombe. Quand tu es là, tu prends ton papa, tu te moques de lui. Uraho ngaho uri uraseka iso. Parce que ton père, peut-être il boit l'alcool. Kubera uyu kwari umusinzi. Tu t'assois avec des gens. Ukicarana n'abantu. Les gens vont faire des petites réunions. Cyangwa abantu bagateranya inama. Le père spirituel de la maison. Ukubyaye mu mwuka. Le pasteur même. Hakuriya mushumba. Vous critiquez. Mukamunegura. Bege byago. C'est pas que tu vas aller en enfer. Suko muri buji kuzimu. Tes yeux seront cassés. Amaso yanyara nogorwa. Et subitement. Mukanya gato. Tu ne verras plus où partir. Nta n'uguzamenya aho ujya.
Seigneur, montre-moi mon destin. Mwami nyerekerezo ry'ubuzima bwanje. D'où tu viens? Umwuka akakubaza ngo urava hehe ubundi. Montre-moi mon destin. Nyerekerezo ry'ubuzima bwanje. Tu oublies quand tu étais malade, c'est la prédication de ce pasteur qui t'a guéri. Oui, bah Dieu, comment se voit le inyigisho z'umushumanizo zagukijije. Maintenant que tu penses que tu connais. Ukibwira yuko ubizi. Tu oublies ton père. Oui, bah Dieu, iso. Peut-être parce que tu es plus âgé que lui. Yenda kubera uko none none amuruta bishoboka. On n'a pas dit que c'est ton père biologique. Ntabwo bavuze iso ukubyara mu mubiri. Dieu est passé par lui. Ariko Imana niwe yakoresheje l'esprit en toi. Kugira ngo igushiremo umwuka wayo. Honore cette origine là. Uje wubahiriza iyo nkomoko. Béni Dieu pour ta source. Uje ushimira Imana kubwa inkomoko yawe. Ne maudis pas. Nous aivume. Ne critique pas. Nous ainegure. Vous savez ce qui est arrivé à Cam. Muzi bigibino Akan. Cam. Muzi bintu byabaye kuri Akam. Noé avait bu. Hamu. Sham. Shamu. Noé a bu. Noé yari yanyoye. Il est devenu ivre. Arasinda. Il a vu son père. Abona ise. Il a ri. Yambaye ubusa. Vous savez, ces deux frères. Ni bene n'abavandimwe babiri baje inyu bagendesha umugongo baramupfuka. Cam. Shamu. Hamu est le père de la ville, la région qu'on appelle Cana. Hamu niwe ise uturuka w'abantu bo muri Kanani. Je dis que les Cananéens n'ont pas droit à un territoire. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo abanyakanani nta butaka bazigirira. Israël est parti prendre. Niyo mpamvu Israël yagiye kuhigarurira. Ne jouez pas. Avec la borne. Nimuzakinisha imbibi. Ne déplace pas. Nimuzazimure. La borne. Izo mbibi. Que tes pères. Zaba sogokuruza. Placé. Bashinze. C'est à partir de ça qu'on t'oriente dans la vie. Naho ngaho turuka uzamuka mu buzima. Est-ce qu'on est ensemble? Ese turi kumwe. Est-ce qu'on est ensemble? Ese turi kumwe. Il y a des fois on a des papas qui sont bien. Hari yugira baso babana beza. Certaines fois on a d'autres qui ne le sont pas. Hari nabandi bataba beza. Saul. Sauli est le père de ministère. Niwe se w'umurimo. Et le beau-père Saul. Akaba numurezi de David. Akaba sebukwe wa Dawidi. Saul. Sauli. Le roi Saul. Umwami Sauli. David a marié sa fille. Dawidi yashatse umukobwa we. C'est son beau-père. Ni sebukwe. Quand David devait la première fois où David est rentré au palais. Umunsi wa mbere Dawidi yinjiye mu ngoro y'ubwami. C'est Saul qui l'a fait rentrer. Sauli niwe wamwinjije. Saul est son roi. Sauli yari umwami. Donc Saul est son père au moins trois fois. Ni ukuvuga ngo Sauli yaramubyaye nk'inshuro eshatu. Quand Satan voulait détruire pour détruire David. Igihe Satan yashatse gusenya Dawidi. Satan est passé par Saul. Yanyuze muri Sauli. Saul a tenté de tuer David. Sauli yashatse kwica Dawidi. Saul a fait du mal à David. Saul yababaje Dawidi. Lisez toute votre Bible. Musome Bibiliya yanyu yose. Jamais. Nta narimwe. Dawidi. N'a dit un seul mot. Yubahutse n'ijambo. Son père. Yubahutse ise. David. Dawidi. A vu Saul. Yabonye Sauli. Possédé par les démons. Abaswe n'abadayimoni. C'est David qui partait jouer la guitare. Ni Dawidi wajyaga kumukinishiriza. Pour chasser l'esprit. Kugira ngo inanga kugira ngo yiwerukane abadayimoni. Il n'est jamais sorti du palais. Nta na rimwe yasohotse ava mu ngoro. Votre roi là. Ngo avuge nguri ya mwami wanyu. C'est le diable même. Ni Satan ubwe wigendera. Et fils. Umwana. Couvre un père. Ni utwikira ise. Un fils. Umwana. Couvre un père. N'utwikira ise. Si tu as vu sa faiblesse. Nibawo nyinegenyeze. Faut la couvrir. Zihishe. Si tu l'exposes. Numushira hagaragara. Tu déplaces d'abord. Uraba wimuye imbibi zawe. Parce que David, la femme qui est avec toi. La femme de David. Umudamu umugore wa Dawidi. Elle sort de ce monsieur. Yavukaga kuri ya mugabo. Lui et sa femme sont un. Kandi we na numudamu we bari umwe. Ton père c'est comme ta source. C'est là d'où vient l'eau qui te touche. Si tu la maudis, c'est comme si tu jettes des ordures. Et ça va toujours venir vers toi. Même si ta source est négative, il faut la bénir. Il faut dire du bien. Et tu vas purifier l'eau qui arrive à toi. Même si ton père s'est mal comporté. Niyo iso yabara yitwaye nabi. Quand
Tu veux parler de lui. Nushaka kumuvuga. Souviens-toi de ses qualités. Ujye wibuka ibyiza bye. Ses défauts. Ibi bibye. Tu le vois face à face. Na nukaje ubimwubakiraho. Tu dis mon papa. Ujye uvuga uti data. Ça c'est pas bon. Ibi si byiza. On fait pas ça. Ibi ntago babikora. Honorer son père. Kubaha iso. C'est lui dire la vérité aussi. Nukumubwiza ukuri yego. Avec amour. Kandi umukunda. Il faut honorer ta mère. Mama, il y a des gens qui parlent à leur maman entre leurs camarades. Maman! Maman! Tais-toi quand je parle! Checheka, hey! Hey! Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est toi aujourd'hui qui nourris ta mère? Parce que c'est toi qui payes sa maison? Tu veux parler? Tes yeux vont se casser. Amaso ya wazano ta lampe va s'éteindre. Urumuri rwawe ruzime. On va gêner, prier à l'église, tu seras perdu. Niyo wakwiriza niyo waza mu rusengero uzatakara. Tu vas aller au ciel. Uzajya mu ijuru yego. Parce que tu as cru en Jésus. Kuko wizeye Yesu. Mais sur la terre. Ariko hano kwisi. L'esprit ne peut pas te conduire. Umwuka ntazakuyobora. Il peut pas. Tu as déplacé la borne. Kuko wimuye imbibi. Tu as déplacé la borne. Wimuye imbibi. On ne déplace pas la borne. Ntabwo wimuri imbibi. Alors si tu l'as faite. Nibo rabigize rero. Quand tu laisses l'eau de la c'est quand le Saint-Esprit le consolateur arrive. Iyo wamuhoza aje. Il va travailler ça. Araza kubikoraho. Amen. Amen. Moi aujourd'hui je suis le pasteur de la fille qui m'a amené, la dame qui m'a amené à Jésus, je suis son pasteur. Uyu munsi yewe umudamu wambwirije nkakizwa mubereye umushumba. Elle est ma mère. Je suis son père. En tant que son pasteur. Mais en tant, c'est elle qui m'a parlé de Jésus. Et j'ai cru. Je veux dire, ton père n'est pas forcément ton modèle. Un modèle aussi pour toi un père. L'avantage pour un père, c'est, l'idéal c'est qu'un père soit un modèle. Icyo wungukiramo nuko akubera icyitegererezo akubera naso ariko niyo atakubera icyitegererezo ujye umwubaha ubuzima bwawe bushingiyeho ubuzima bwanjye bushingiyeho c'est l'endroit d'où tu es parti aho niho ukomoka ton premier patron umukoresha wawe wa mbere à un moment donné il s'est levé contre toi. Hari igihe yahagurutse ku gawe il t'a insulté au travail akakutuka ku kazi il t'a fait du mal akakubabaza mais toujours ariko igihe cyose honore-le. Quand tu fais des cadeaux, fais-lui des cadeaux. Nugira buhimpano na ujumuha. Bénis sa vie. Ujuhe umugisha ubuzima bwe. Parce que un jour, kuko umunsi umwe, Dieu est passé par lui. Imana yaramukoresheje. Pour te donner du travail. Kandi aguha akazi. Et tu verras. Kandi uzabibona. L'esprit. Umwuka. Toujours te conduit sur le plan professionnel. Igihe cyose azahora kuyobora mu by'akazi. Kubera yuko utimuye imbibi. On peut acclamer Jésus. Eka dukomere Yesu amashyi. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Et quand on a un bon père. Iyo ise umuntu mwiza. Comme l'apôtre. Nk'intumwa. Alléluia. Alléluia. Quand tu as un bon père, encore plus qu'il faut l'honorer. Iyo ufite iso mwiza, ujye umwubaha birushijeho. Il y a un point que je n'ai pas touché. Hari ahantu ntavuze. Je vous explique que le même principe. Ariko rya hame. Et ce qui va vous permettre d'avoir le revêtement. La tenue qui va avec toi. L'habit que l'esprit va te donner là. C'est aussi fonction, mais ça c'est pas tous tes pères. C'est le père qu'on appelle ton mentor ou ton modèle. Ntabwo ari kuri baso bose ariko ni kuri wa wundi wita umutoza wawe cyangwa icyitegererezo cyawe. Ta loyauté. Uko umubera umwizerwa. Ta fidélité. Kwizerwa kwawe. Vis-à-vis de ce père. Kuri uwo muntu. Te donnera ton manteau à toi. Bizaguhesha umwitero wawe bwite. Luka 16:16. Si tu n'es pas fidèle. Nutaba umwizerwa. À ce qui appartient à autrui. Kubyabandi. Qui te donnera ce qui est à toi? Ninduzaguha ibyawe. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises. Hari abantu benshi baza mu rusengero. Mais qui n'ont pas le revêtement pour leurs affaires. Ariko batagira umwambaro ku mirimo yabo. Parce qu'ils sont dans l'église. Kuko bari mu rusengero. Apôtre. Pardon, faut te lever, excuse-moi. Ils sont dans l'église. Bari mu rusengero. C'est le pasteur. N'umushumba. Mais ils le considèrent comme leur frère. Ariko bakamureba nkaho uri mugenzi wabo.
Même si tu es plus âgé que lui. Niyo waba umuruta mu myaka. C'est ton père. Niso. Écoute. On va. Même si vous avez commencé l'œuvre en même temps. Niyo mwaba mwaratangiranye umurimo w'Imana. Vous voyez, c'est le problème qui est arrivé à Aaron. Iki nicyo kibazo cyageze kuri Aaron, kuri Aaron na Miriam. Ils n'ont pas compris. Ils sont pas rentrés dans leur destinée. Ntabwo babashije kugera ku cyerekezo cy'ubuzima bwabo. Parce que comme Dieu les avait appelés presque en même temps. Kuko Imana yari yabamagaye hafi igihe kimwe. Ils n'ont pas compris. Ntabwo basobanukiwe. Moïse n'est pas un collègue. Ko Mose atari mugenzi wabo. Que Dieu a élevé Moïse comme leur père. Ko Imana yari yazamuye Mose hejuru yabo nka se. Quand Moïse parle. Mose yavuga. Il dit, nous aussi Dieu nous parle. Bakavuga ati natwe regira tuvugisha. Mais Moïse était quelqu'un de très patient. Kandi Mose yari umuntu wihangana cyane. Il était doux avec eux. Yari ihanganaga cyane. Vous savez, vous pouvez être à l'église. Niyo mpamvu usanga mu rusengero. Et puis bon, comme les, c'est une bonne église, vous êtes dedans. Ni rusengero rwiza wumva bikuryoheye kuba urimo. Et le père spirituel que Dieu vous l'a donné, vous l'honorez pas, vous n'êtes pas fidèle. Umuntu Imana yabahaye nka so wo mu mwuka mutamwuba mutamubera bizerwa. Tu peux rester à l'église 20 ans. Birashoboka ko wamara imyaka 20 mu rusengero. Jamais retrouver ton destin. Utaratora icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Élie, il a eu deux serviteurs. Élie a dit à Bagarago Babidi. Le premier, Ouambere, c'est celui qui était avec lui sur la montagne. Niwa undwari kumwe na boku na weku musozi. Élie était après. Élie dit va voici la pluie arrive. Élie a mongi la tigendurebe kuimvuri di kuza. Celui-là on n'a jamais donné son nom. Uriya ntigeze avuga izina. Il va. Akagenda. Il revient. Akagaruka. Et puis il dit je vois. Kavuga ati ndabibona. Le nuage arrive. Ndabona imvuriza. Quand comment s'appelle la Jézabel. Yezebeli a décidé de tuer. La Bible dit Élie a fui. Umunsi yahagurukiye kwica Eliya, Eliya yarahunze. Élie est arrivé à Bethsaida et il a laissé le serviteur. Ahasanga umugaragu aho yagiye. Le serviteur au lieu de continuer à suivre son père. Wa mugaragu aho kugira ngo akomeze gukurikira ise. Il est resté à Bethsaida. Yagumye Bethsaida. On n'a plus jamais parlé de lui. Niyongeye kuvugwa. C'était quelqu'un d'obéissant. N'umuntu wumviraga mais pas loyal. Ariko utari umwizera. Pas fidèle. Atari umwizera. Il y a des gens qui sont très bien. Hari ibintu byiza bibaho. Mais la loyauté c'est pas le fait d'être bien. Ariko kwizerwa kuba umwizerwa ku muntu usuka umubera umwana mwiza. Regardez Élisée. Elisa. C'est Élisée qui a eu le revêtement. Elisa niwe wakiriye umwambaro. L'onction qu'Élisée a reçue. Amavuta Elisa yakiriye. C'était sous la forme de manteau. Yari mu ishusho y'umwitero. C'est ce qu'on appelle le revêtement. Nibyo twita kwambikwa. Et Dieu dit. Imana iravuga. Élie. Ibwira Eliya. Voici Élisée qui va te remplacer. Dieu t'a oint pour quelque chose. On dit voici Élisée qui va te remplacer. Et le jour où l'onction allait, le revêtement allait venir sur Élisée. Élie va lui donner une condition. D'abord, Élie va faire comme il a fait au premier serviteur. Il va dire, toi là, reste à Bethel. Élisée dit, Elisa ti, papa, data, où tu t'en vas? Ahuzaja, je te suis. Nihonza gukurikira. Élie s'en va, il dit reste. Élie akavuga ati sigara aha. Le premier serviteur. Umugaragu wa mbere. Il dit reste ici. Barambwiye ngo sigara aha. Tellement il avait peur pour sa vie. Kuko yatinyaga kugwa ubuzima bwe. Il dit papa Élie, si on veut te tuer, on va te tuer. C'est toi que Jézabel cherche. Aravuga ati nubundi nawe Jézabel ashaka. Donc prends ta route. Genda ufate yawe nzira. Moi je vais sauver ma vie. Genda ndagumana ubuzima bwanjye. Mais à Élisée. Elisa, Élie lui a dit reste. Élie aramubwira ati sigara. Tu es mon père. Hagati kuri data. Je dois t'arriver. Nimba hari ikintu kigomba kukubaho. Je serai là ce jour-là. Nzaba mpari icyo gihe ndi kumwe nawe. Ceux qui n'ont pas le revêtement. Umwana uri utarakira umwambaro. Ils peuvent reconnaître le père. Ashobora kureba Isaka mumenya. Mais ne pas être loyal. Ariko nta mubera umwizerwa. Or si tu n'es pas fidèle à ce que Dieu a donné à autrui. Nyamara utabaye umwizerwa ku byo Imana yahaye abandi. Il donne pas ce qui est pour toi. Ntabwo yaguha ibyawe. Luc chapitre 16 verset 16. Luka 16:16. La promesse était pour Élisée. Isezerano ryari rya Elisa. Mais avant qu'il reçoive le manteau. Mbere yuko yakira umwitero. Alors Élisée va dire à Élie. Elisa abwira Eliya. Élie va lui demander. Eliya aramubaza ati. Que veux-tu que je fasse? Urashaka ko ngugenza nte? Élisée dit je veux la double portion. Elisa ati ndashaka imigabane ibiri. Voilà ce qu'il dit. Dore ibyo avuga. Si tu me perds pas de vue. Nuta nuguma kuntumbera ntuntakaze. Cela va se faire. Ibyo biraza kubaho. Donc Élie marche comme ça. Élie agenda gutya. Élisée le suit. Akamwitegereza. Élisée le suit. Akamukurikira. Élie dit, Élie fait des gestes.
Élisée le suit. Ça parle de la fidélité. Pour recevoir le revêtement, il faut que dans le cœur vous appreniez ce qu'on appelle la loyauté. La Bible dit beaucoup de gens sont bien. Mais la plupart des personnes se battent pour leur propre vie. Ils savent pas un jour donner la vie, donner leur vie. Pour la vision que Dieu a donnée à quelqu'un d'autre. Même quand ils le suivent, c'est pour ce qu'eux vont gagner. Ils ne l'aident pas réellement. Ils ne prennent pas le temps d'observer ce que Dieu lui a dit. Pour réaliser. Mais c'est plutôt qu'est-ce qu'ils vont devenir eux. Au contact du mentor. C'est pas la loyauté. Wundi. Là, tu es fidèle avec toi-même seulement. Ahanga ha handi utaka zicho warukwe kumutoza wawe handi wigundiraho. À un moment donné, Élie est parti. Hageze umwanya Élie aratwarwa. Le vent a projeté Élisée. Umuyaga utwara Élie. Même en tombant. Yewe no mukugwa. Il avait gardé les yeux. Yarakimukurikiranye. Il n'a pas regardé où il tombait. Nta nubwo yitegereje aho ari kugwira. Papa père d'Israël et sa cavalerie. Aravugati isewa Israeli n'amagare ye yose. Et le manteau est arrivé. Umwitero niko wamanutse. Dès l'instant il a traversé avec la même onction. Uwo mwanya yitamenye icyerekezo. Tu veux réussir sur la montagne de l'économie des finances. Urashaka guhirwa ku musozi w'ubukungu. C'est ton appel. Ni wo muhamagaro wawe. Mais tu n'auras l'onction. Uzagira amavuta. Que pour prendre ce territoire si tu es loyal. Kugira ngo ufate aho hantu inumenya guhakwa Dieu t'a conduit, aho Imana iri bukuyobore, le père qu'il t'a donné, ugahakirizwa kuri wo yaguhaye, honore sa vie, ukayubaha ubuzima bwe, sois fidèle à sa vision, ukaba umwizerwa ku iyerekwa rye, ibyo Imana yamubwiye, et toi tu recevras ton manteau, wowe niko uzakira umwitero wawe, pour réussir dans les affaires, kugira ngo uhirwe mu bucuruzi, dans l'économie, kugira ngo uhirwe mu bukungu, dans les médias, kugira ngo uhirwe mu itangazamakuru, sans loyauté, utahaswe, il y a pas. L'eau ne va pas te remplir jusqu'à couler. Tu vas être rempli. Même ça peut déborder. Mais ça sera toujours sale. Pour que ce soit propre. Dieu va repositionner ce qu'on appelle tes pères. La borne des pères. Pour pouvoir te conduire. Et pour pouvoir te donner ton manteau. Quelqu'un est-il avec moi? Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Tiens-toi debout et prie le Seigneur. Si tu as mal agi avec un père, demande à Dieu pardon. Tu ne savais pas cela. Demande à Dieu pardon, il te pardonne. Alléluia. 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 Même si ton père n'est plus. Je n'ai pas dit d'aller sur son tombeau. Il dit, oh papa, pardonne-moi. Si tu adores un tombeau, les démons vont de mort vont t'attraper. Mais dans ton cœur, souviens-toi des bonnes choses. Et ne sois plus aigri contre ton papa dans ton cœur. Amen. Amen. Demande à Dieu de te guérir de toute frustration. Que l'Esprit te console. S'il est vivant, Nimba chiriho, ta mère est vivante. Mama wa chiriho, honore-la. Mubahe. Parle-lui bien. Mubwire neza. Chaque début d'année, fais-lui un cadeau. Buri mwaka ugitangira umuhe impano. Même si c'est ton pasteur. Niye abari umushumba wawe. Son épouse. Umufasha we. Honore-le. Ububahe. Quand tu as un des biens, viens bénir leur vie aussi. Et la grâce va surabonder dans ta vie. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que le revêtement soit ton partage. Que le Saint-Esprit te remplisse. Qu'il repositionne les bornes qui ont été déplacées. Et qu'il te remplisse, te console. Qu'il enlève toutes sortes de souillures. Et qu'il te revêt de sa puissance, de sa grâce. Maintenant, élève, prie pour recevoir l'Esprit. Raïde, chède, baba, chandara, bradas, lorian, de bro. Dungana, murugo, wadata, dineza, natunga. Yesu yamiri amaraso, anyo zibyara.
Lord, we come before you in this moment. We ask you to clothe us. Clothe us with the mantle of power. The mantle of the testimony. The mantle of dressing up. The mantle of wonders. You are our Father. You are our Father. We praise you, Jesus. I pray for this entire assembly. For your blessing. Help every one of us. Where they have failed. Help them, Lord. To get far. Led by you. I praise you for you have had this. And you shall do it. In the name of Jesus. Amen. Amen. Mutahane n'umwami Yesu. Go home with the Lord Jesus. Tuzakomeza ejo. We will carry on tomorrow. Imana ibagirie neza cyane. May God bless you. Amen. Amen.